Je vous dis bonsoir à tous, hein, frères et sœurs qui sont là dans la maison de Dieu ce soir. Moi, c'est une grâce de pouvoir témoigner pour le Seigneur. Je suis heureux dans mon cœur. C'est vrai, Seigneur, qu'à chaque fois que je témoigne, voilà, j'ai peur. Hein, c'est comme si que le pasteur qui va prêcher là. Voilà. Donc, Seigneur, moi, ben, pendant des années, j'ai fait ma vie sans Dieu. Hein, pourtant, j'étais entouré de chrétiens. J'étais ma femme qui était chrétienne. Et puis moi, je ne voulais pas du Seigneur. Je ne voulais pas de Dieu. J'essayais de faire ma vie comme ça. J'ai grandi dans un milieu, on va dire, modeste. Et puis, je voulais réussir dans la vie. Moi. Je voulais avoir, voulais acquérir des biens. Et puis, j'ai travaillé. Et puis, plus que j'ai réussi, plus dans mes affaires, on va dire, ben, j'étais toujours pareil. La vie, je voyais que c'était tout, je tournais en rond quand même. Et le soir, ben, j'étais malheureux. Pourtant, j'avais plein de choses, Seigneur. J'avais plein d'amis, plein de copains. J'invitais des gens chez moi. Et puis, je me sentais seul le soir. Il me manquait quelque chose. Et je ne voulais pas admettre que c'était Dieu, parce que je voyais la vie d'un chrétien qui ne faisait rien du tout. Un chrétien, c'est vrai, ça ne fait rien par rapport à un païen dans les choses du monde. Et moi, je croyais que c'était ça. Et comment je m'avais trompé, Seigneur. Je m'avais trompé, je croyais que c'était dans l'erreur, j'étais quoi. On va dire que j'étais roulé. Et puis un jour, voilà, comme tout allait bien, il y avait une chose que moi, j'avais peur, c'était de la mort. Hein. J'avais peur de mourir. Je savais que sans Dieu, il y avait deux endroits où passer l'éternité. Et ça, on n'a pas le droit de mourir sans Dieu. Alors, c'était la seule chose. Et puis, je me suis senti mal un jour, comme ça. Vous voyez. Et puis, j'ai passé une visite. Et puis, par rapport à cette visite que j'ai passée, là, les docteurs, ils ont trouvé quelque chose de grave. Ils m'ont dit, monsieur, on va vous envoyer d'un autre endroit. Un professeur, il va vous voir, il va vous expliquer. Moi, je ne peux pas, je ne peux rien faire pour vous. Et ils m'ont fait voir, ils m'ont emmené vers un professeur. Et puis là, le professeur, il m'a annoncé que j'avais une tumeur ici au niveau du thorax. Là. Ça reposait sur le cœur. Et puis que c'était assez grave. Et puis, vous savez comment on entend ça. Hein. Là, et après, il n'y a plus de super-homme ou quoi que ce soit, hein, je ne sais pas. Et puis là, j'étais dans l'angoisse. J'étais triste, je ne voulais même pas le dire chez moi. Je ne voulais dire à personne. Puis j'avais ma femme et mes petits là-bas chez moi. Et comme j'arrivais, ben, j'étais bon, 3 jours dans l'angoisse. Et puis je dis, Seigneur, comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire? J'ai dit, là, j'avais acquis tous mes biens, là, toutes les choses que j'avais. J'ai dit, je vais tout donner, je vais tout vendre. Et puis là, je vais essayer de voir les plus grands professeurs, je ne sais pas où aller. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai été voir un autre professeur ici à Marseille. Et c'était encore pire qu'avant. Il disait encore plus grave, lui, que c'était. Et j'ai monté à Paris. Et à Paris aussi, encore plus grave. Et à Paris, ils m'ont dit, monsieur, écoutez, c'est vrai, vous vous sentez bien, ils ne comprenaient pas les docteurs. Et puis là, ben, Seigneur, j'ai dit, comment je vais faire? Puis je suis perdu. Et puis j'ai dit, Seigneur, ben, écoute, d'un côté, c'est vrai, j'ai dit, toute ma vie, je n'ai pas voulu de toi. Tu as toujours parlé à moi, mon cœur. Tu as toujours donné des choses, quelqu'un qui vient chez moi, des prospectus. Et ça, je ne comprenais pas, c'était tous des appels de Dieu, ça. Et j'ai dit, Seigneur, ben, écoute, je mérite ce que j'ai. Écoute, Seigneur, ben, je suis prêt à mourir. Mais une seule chose, Seigneur. Donne-moi ce qu'ils disent les chrétiens, parce que c'est vrai ce qu'ils ont, parce qu'eux, ils ne tiendraient pas pendant des années comme ça. Et j'ai fait travailler comme ça mon cerveau, on va dire. Et j'ai dit, Seigneur, ben donne-moi ce qu'ils ont les chrétiens, là, Seigneur. Et là, l'instant même que j'ai dit ça, Seigneur, j'ai rencontré Dieu. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien dit de spécial pourtant. Hein? Et là, Dieu, il s'est fait connaître à moi, Seigneur. Mais comment on compte Dieu? Les chrétiens, ils savent. Ce n'est pas, hein? Pas une larme, ce n'est pas un film, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un sentiment. Hein? J'ai tombé à genoux dans l'hôpital, comme ça, j'étais à l'hôpital. Et puis, je n'avais plus honte de personne, Seigneur. Je criais à Dieu. Et puis là, je voyais Jésus sur la croix, qui était mort pour mes péchés, Seigneur. Et là, je comprenais tout, là. Seigneur Jésus, quel regret que j'avais après. C'est ça que j'avais. Un seul regret, c'était de pas. Toutes ces années sans lui, là, Seigneur. Et puis là, donc, j'avais plein de liens que je n'arrivais pas à défaire, Seigneur. C'est vrai, le garçon a parlé de la drogue. Hein, je n'étais pas un gangster, je n'étais pas un drogué, moi. Mais il y avait des liens. Il n'y a pas que ça, vous avez dans la vie, que je n'arrivais pas à me défaire. Ah ben là, en un seul mot que j'ai dit à Dieu, là. Tous mes liens aussi, ils sont partis. Vous savez l'histoire de la maladie, là, ben, c'est les plus beaux moments que j'ai pu passer, c'était à l'hôpital. Pourtant, hein, c'est pas beau, hein, l'hôpital. Hein. C'était les plus beaux moments. Et puis la maladie, ça a duré quoi? Une semaine. Rendez-vous compte, j'ai été opéré. Ils ont enlevé, ils ont aperçu que c'était même pas ça, en fin de compte. Pourtant, j'ai vu 3 professeurs, j'ai eu des scanners dans tous les sens. Ah ben, ils ont aperçu que c'était rien du tout. Dieu l'avait transformé en autre chose. C'était un miracle. Je ne comprends pas pourquoi, ça a tombé sur moi. Mais Dieu, c'est Dieu. On ne comprend pas des fois, c'est vrai, Seigneur.
Et puis maintenant, ben, ça fait 4 ans, Seigneur, que j'appartiens à Dieu. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, Seigneur. Vous savez, des fois, je pense, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Hein, c'est vrai, il m'a guéri de la maladie. C'est vrai qu'il m'a sauvé des liens, tout ça, il m'a délivré. Mais ce n'est pas ça le plus. C'est que maintenant, Seigneur, mais quoi qu'il arrive, je vais au ciel. Hein? Maintenant, je suis un sauvé. Je me dors le soir, là, j'ai plus peur. Hein? J'ai plus peur de rien du tout. Je dors, c'est ça la paix. J'ai mon foyer qui est chrétien, ma femme qui est chrétienne, Seigneur. Moi, j'ai une seule chose à vous dire, Seigneur. Que la plus belle affaire que j'ai pu faire dans ma vie, hein? Ben, c'est que j'ai donné mon corps à Dieu. Que j'ai rencontré le Seigneur. Donc, Seigneur, passez pas à côté. Hein, des fois, écoutez pas cette deuxième voix qui dit là, que... Passez pas à côté. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.